Ne vous laissez pas tromper par cette apparence. Cette dame vit dans l'or, après ce passage dans la boue. Nous sommes en train de laver l'or. Quand lui puise, il verse ici, là. On fait comme ça là, pour que l'or descende et la terre passe. On fait les grands passes dans la bassine. Et après, on repasse encore, on lave encore, avant de retrouver l'or. Elle est dans la force de l'âge. Elle n'a pas fait de longues études. Face à la difficulté, elle a su se réinventer. On était à Batouré. On a survécu qu'il y a l'or. Nous sommes venus installer ici. Là. On a déjà fait presque 2 ans. C'était la galère. Mais maintenant, là, nous sommes déjà riches. On a la maison. Il a construit ici. Il a construit aussi en ville. Il a 2 voitures. Les enfants, on les met dans la voiture. Ils partent à l'école. Dans la soirée, ils partent les ramener. Ces journées sont agrémentées par cette boisson qui jamais ne la quitte pendant l'ouvrage. À 5 heures, là, on se lève, on prépare, on fait ce qu'ils vont manger pour partir. Ou parfois, s'il n'y a pas le temps, on leur donne l'argent pour ne pas manger là-bas. Ici, là, on mange rien que la viande du bœuf, le poisson, et le plantain et le manioc. Eugénie et ses co-épouses se donnent la main sans jamais s'en vouloir.